Donc voilà, dans la vidéo précédente, j'avais parlé donc du paragraphe. Je vais les supprimer et maintenant on va aborder une nouvelle balise qui sera le UL. Dans le UL, sachez que dans le UL, il y a des LI. C'est-à-dire, je fais un UL, Enter, encore Enter, pour pouvoir laisser la place ici, pour pouvoir ajouter mes autres éléments. À l'intérieur, je vais mettre, on va dire, donc LI fois 5, c'est-à-dire que je veux 5 LI. Le nom de la balise fois le nombre que je veux, c'est-à-dire 5, Enter. J'ai mes 5 LI. Dans mes LI, je vais rajouter des éléments. Je rajoute des éléments, c'est-à-dire que je mets par exemple, je vais mettre salut. Vous avez remarqué que dans un UL, j'ai des LI. Voilà toute la différence. D'accord? Donc c'est-à-dire que le UL peut être séparé, mais vous allez voir pourquoi ce serait compliqué de le séparer. Donc si je retourne sur ma page internet et que j'appuie Enter, vous avez remarqué que j'ai des strapus. On appelle ça des petits strapus, donc des petites boules qui se trouvent au-dessus, genre des listes, pour le LI qui veut dire liste. C'est-à-dire que si maintenant je supprime le UL, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mes LI seront ici, bien collés à la marge. Et ce n'est pas vraiment ce que je veux. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient plus décalés de la marge. Mais si maintenant je mets tout simplement dans un UL, je mets juste salut, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, ce sera juste décalé de la marge. Donc, en conclusion, on voit bien que le UL permet de décaler. Je recommence. Voilà. Donc ici, j'ai dans mes UL, j'ai mes LI, et dans mes LI, j'ai mes petits textes. Ceci, c'est pour le UL. Vous avez bien vu que dans le UL, j'ai mes petites boules. Maintenant, si on change le UL en haut, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce sera plus des petites boules, mais des numéros. Le petit moyen mnémotechnique que je vous donnerai pour bien retenir ceci, je vous le note ici, ce sera numéro. Le O vient de quoi? Vient du OL. Voilà, ça c'est juste un petit moyen mnémotechnique pour que vous puissiez retenir que le OL donne des numéros au lieu de petits strapus. Donc pour récapituler, dans, voilà, je reviens, voilà, dans mon UL, j'ai des LI tout le temps. Et ce qui me donnera des boules. Et dans mon OL, j'ai quoi? J'ai des numéros. D'accord? Et dans mon OL, j'ai aussi toujours mes LI.